J'ai un peu de mal à imaginer ma vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je ne l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je ne suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence, on n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe, sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu progresses, tu veux rester très loin du star system, où tu restes tard si t'aimes. Si jamais je devais tout perdre, si la vie faisait demi-tour, je n'aurais besoin que de leur présence pour que la vie reste facile. Peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte, c'est ce qu'il y a autour. Ce que je ressens, je veux leur dire, je crois que j'ai le sens de la famille. J'ai un peu de mal à imaginer ma vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je ne l'imagine pas du tout. C'est avec eux que j'avance, de la sérénité plein les poches. S'ils ne le partagent pas avec moi, aucun bonheur ne vaut le coup. Et à l'inverse, il n'y a rien qui me fasse plus de peine qu'imaginer leur visage au moment où ils ont appris que mes 20 ans seraient cruels, que mon avenir s'annonce éterne. Le drame, ça se partage, mais ça n'apaise pas l'esprit. Ils m'ont transmis tout ce que j'aimerais transmettre à mon tour. C'est grâce à eux, si je suis en paix et que je ne pars pas en vrille, leur humanité sans trompette, leur bienveillance sans détour. Ce que je leur dois, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille. Évidemment, quand t'es maman, ton cœur explose, et pour toujours. On te confie le rôle ultime, celui qui te change viscéralement. Tu ne savais pas que c'était possible de générer autant d'amour. Je ne trouve pas de mots assez forts, c'est tellement, tellement... Évidemment, quand t'es daron, toutes les cartes sont redistribuées. Ils sont dans ma tête, dans mon ventre, dans mon sang chaque seconde. Je n'ai plus qu'eux comme certitude. Il va falloir m'habituer. J'ai découvert les liens visibles et les plus solides du monde. Les enfants, c'est des galères qu'on ne pouvait même pas concevoir. Ils nous rendent complètement ouf. Mais en un sourire, on vacille. T'as qu'une envie, c'est qu'ils s'endorment et dès qu'ils dorment, tu veux les voir. Et ouais, on est devenus ceux qu'on chambrait. Je crois qu'on a le sens de la famille. Et le sens de la famille, c'est aussi le sens de l'amitié. Je peux te présenter des frères et sœurs qui n'ont pas le même sang. Frères d'espoir, sœurs de cœur, de galère ou de quartier. Faire des projets d'adultes dans des cerveaux d'adolescents. La famille, c'est aussi ceux qui sont devenus essentiels. Ceux qui te connaissent, te révèlent, te soutiennent et te protègent. Ceux qui te parlent la bouche fermée,
parce que le cœur s'en mêle. Si tu veux signer avec moi, faut signer avec tout le cortège.